cas, c'est... Voilà. En tout cas, là, oui, au niveau pente, c'est beaucoup plus sécurisant. Hein. Voilà. Mais oui, non, ça, bien. Ça milite quand même hein, que, vous voyez, elle dépasse au moins de 80 centimètres. Elle dépasse de beaucoup, vous pensez? Alors, il y a deux solutions. Si elle dépasse de 80 centimètres, ça veut dire que le quai, il faut qu'il soit large. Hein. Ouais. Et ça laisse suffisamment de débattement. On a 2,10 m hein, sur le quai, c'est ça? Alors, avec donc, un emplacement poussette, un emplacement fauteuil, un autre emplacement fauteuil et un autre emplacement poussette. Avec effectivement une barre là, qui gêne un peu la manœuvre pour aller se positionner sur cet emplacement fauteuil en face. Mais c'est vrai que c'est mieux que les anciens bus de Tisséo. Voilà. Et donc, moi j'arrive maman, à m'y mettre. Déplacer la poussette pour vous laisser passer. Allez, Madame Morin. Voilà. Ça, c'est la théorie. Vous disiez qu'il y a beaucoup de conducteurs qui agenouillent pas les bus. Ouais. Il vient de nous expliquer pourquoi, le monsieur. Ah, ce serait intéressant de savoir pourquoi. Alors, il nous expliquait qu'il y a deux boutons pour sortir la palette. Je vous laisse l'expliquer. Oui, en fait, on a deux situations. En linéo, normalement, les quais sont quasiment à hauteur. Donc, les conducteurs ne sortent pas, n'agenouillent pas le bus. Et ça donne quoi comme pourcentage de pente dans ce cas-là? Je vais vous le mettre la rampe sans agenouiller. Ah oui, je veux bien.